seba ya ubetki, sangkolo anidu kolomatki. Ambe nyagali ilaka barkada yeka nyumanya ba koso. Mati ala dante ika nyumanya la ienematki. Neko ima barka ika nyumanya koso, barka bidon nyuman koso. Mati ika nema barka la isonaka ajra ana, ani ananaka ipato, ananaka ika kuma lamefana. Matiki sisa yi owati, matiki Yesu Krista chole nebo wole ka kenebe sania, ka chau ani muso sania, kaneyere sania ni dusukun ani farkolope. Matiki kalabla ikelempeye, matiki nebene yere ti masaraka nyinama ye ka kete mesiraye, walisaka ika kuma lase. Matiki ikelempe ka kuma, nere ta kote, shitane ta kote, nga ikelempe ta. Matiki ala okapo ani okadi idenga ani idemusoma. Mba deli ifeko ika uteme. Okuma bolenko ukaseka fam. Kasoro. Ani kanyana maya kakaya ni ika kuma ifa. Ikini bolo baraka ma matiki. Okato anfe. Okato ankuna. Nimpatoli pekona la Yesu Krista tokola. Me shitane kake walo pesiri kake fuyi. Kukanana nafafoy soro. Matiki ala. Chedo wala musodoka nyenama yala. Ka kontamine matiki ka balika soroli kepi. Krista Yesu amatia tokola. Abaraka ika kuntiki ya koson. Amina. Amen. Anga tikere fo Yesu Krista ye. Aklamu trefo por Jesu Krista. Ale masa uka masa ani matiku uka matiki. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Noroni boyan bekata ale kelembe doroka. Toute gloire et tout honneur en son seul nom. Somada ina anla beneno ka lamen tukuni wa. Ce matin, est-ce que vous êtes encore prêt pour l'entendre, l'écouter? Jean la beneno ka lamen. Qui est prêt pour l'écouter? Ki krefe moroye. Dis à la personne à côté de toi. Anga lamen ingesisa. Écoutons maintenant. Ola bi somada ina. Donc ce matin. Amito directement à la kakuma konala. Nous allons rentrer directement dans la parole de Dieu. Amena minkla ani nyoron chepi. Ce que nous allons partager entre nous ce matin. Matiki mimbla andu sukuna ufleni. Ce que le Seigneur a mis sur le cœur voici. Lève-toi et prie. Wuli ika delike. Non, prie. Ika manamana. Ika yelembo. Ika yelembo. Hallelujah. Hallelujah. Na fora ko ika wuli. Quand on te dit de te lever, peut-être abseka kai kunsikilenero. Et c'est possible que tu étais assis. Ou bien abseka kai dalene kundo. Peut-être tu étais même couché. Ah, et bien oui. Tu te lèves. Oh, na soro efana jolendo. Et si tu te tiens debout? Yani bidonche. Avant aujourd'hui. Isikilente. Tu n'es pas assis. Italente. Tu n'es pas non plus couché. C'est très bien. Aucun inconvénient. Comme il jolendo. Étant donné que tu te tiens debout. Ikumbere usinsi alisa. Il faut encore fonder tes genoux. Ika mana mana. Et que tu brilles. Afikre fmoye. Dis à la personne à côté de toi. Oui. Lève-toi et brille. C'est ce que Dieu attend de ta part. Amen. Même si tu brillais déjà, il faut encore briller plus qu'avant. Voici. Jésus-Christ est là. Nous disons que Jésus-Christ est à la porte. C'est vrai, Jésus est à la porte. Et ça, c'est vrai, Jésus lui-même a dit que lui, il est à la porte. Soni abai. Et bientôt, nous le verrons. Et il viendra prendre son église au ciel. Vous n'avez pas aimé ça? Vous ne voulez pas quitter ce monde-là? Vous ne voulez pas quitter ce monde de souffrance? Ou bien on va attendre jusqu'à ce que tu te maries? Angata. Tiens. Non, les problèmes de ce monde ont vraiment fait souffrir certaines personnes. Peu importe, Jésus est à la porte. Yesu bedala. Et bientôt nous les verrons. Soni amenaye. Très très bientôt même. Soni ateme amenaye. Mm-hmm. Yesu kumbeni choko nyuma 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 dofleni. Voici une des bonnes manières de rencontrer Jésus. Yesu kana soro. Que Jésus vienne trouver que. Ibe parala.
tu es en train de le servir. Le ministère qu'il t'a confié. Tu es en train d'accomplir cette œuvre. Et tu es en train de briller dans cette œuvre. Ce jour-là, tu ne seras pas indigné quand le Fils de l'homme viendra se tenir. Tu vas te tenir. Tu vas le rencontrer. Et lui aussi, il se réjouit pour te prendre. Et il dira, voici mon enfant qui n'a pas ensommeillé. Il n'a pas dormi. Voici. Viens et rentre dans tes récompenses. Mais, et si toi tu dis que Jésus vient, bientôt il vient. Tu es resté assis. Tu as attendu. Tu n'as rien fait. Tu t'es assis et croisé les deux bras. Et tu regardes souvent le ciel. Tu vas rater beaucoup de choses. Attendre n'est pas tout simplement s'asseoir et regarder le ciel. Voici une bonne manière d'attendre, de se lever et œuvrer. Se lever et œuvrer avec fidélité. Dis à la personne à côté de toi. Maintenant, c'est le temps de servir, de travailler. Maintenant, c'est le temps de travailler, de servir et de briller. Jésus doit venir retrouver son église en train de le servir et de briller. Je répète, le servir et aussi de briller dans cette œuvre et rester demeuré fidèle dans cette œuvre. Alléluia. Alléluia. Qui voudra que Jésus vienne le trouver en train d'évangéliser, d'annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un en parlant de lui et pour que tu brilles. Alléluia. Alléluia. Otigi. Ce dernier, sait qu'il va avoir une bonne récompense. Et il sait que lui, il va être élevé. Qui aussi voudra qu'il vienne le trouver en train de dormir? Il n'y a personne comme ça. Lève-toi. Oui. Et brille. Est-ce que j'ai dit lève-toi et détruis? Est-ce que j'ai dit lève-toi et gaspille tout? Est-ce que lève-toi et diffame? Non. Mm-mm. Lève-toi. Oui. Brille. Ika manamana. Manamana, matiki. Il faut briller pour le Seigneur. Là, fora koka manamana pour ma chaman. Très souvent, quand on dit de briller, afle. Voici. Ni troshita. Quand tu prends la torche. Kabok lila sisan. Et tu sors au soleil. Katroshi mene. Et tu allumes ta torche. Yora be manamana konsebede. N'est-ce pas, ça brille bien. Hein? Vous pouvez expérimenter, sortir avec la lampe torche et l'allumer au soleil. Est-ce que ça va briller très fort? Hein? Et pourtant, torche, quand manamana, et pourtant la lampe torche doit briller. Pourquoi si tu vas te tenir au soleil avec, ça ne donne pas autant de lumière? Hein? Parce que yélembe. Parce qu'il y a déjà où est-ce que la lampe torche brille, donne plus de lumière dans les ténèbres, dans l'obscurité. Je crois que tu es en train de comprendre quelque chose. Je pense, je crois que tu es en train de comprendre. La lumière que voici. Si tout cet endroit était couvert de ténèbres, et tu vas voir que la lumière de dehors allait avoir plus d'éclat. Parce que ça va commencer à briller plus fort encore dans les ténèbres. Mon frère et ma soeur. Oui, c'est vrai, le monde est dans l'obscurité.
l'obscurité. Il y a les ténèbres partout. C'est dans les foyers. C'est dans les églises aujourd'hui. C'est dans la vie de nos voisins. Et c'est dans le pays. C'est très bien. Occasion. Ça, c'est une bonne occasion. Ça, c'est un moyen pour que toi tu brilles. Parce que la lumière brille très fort dans l'obscurité, dans les ténèbres. Il ne faut pas que tu te défendes et te justifies parce que là où je suis, il y a les ténèbres. Il ne faut pas que tu te justifies parce que tu es dans le pays où il y a les ténèbres. Ou bien te justifier parce que l'église que je fréquente, il y a les ténèbres, l'obscurité. Oui. Là où il y a l'obscurité, c'est là où la lumière brille encore plus fort. Le Seigneur veut que nous nous levons et que nous nous lisons. Alléluia. Le monde est en train d'attendre celui qui est la lumière. Et bientôt il arrive. Mais il a placé quelques lumières. Et qui doivent finaliser ce ministère. Pour que lui, il vienne trouver l'œuvre là accomplie et l'emmener au ciel. C'est pourquoi la Bible nous dit. Dans Matthieu chapitre 5, verset 13. Matthieu chapitre 5, verset 13. Jusqu'au verset 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous êtes le sel de la terre. Déjà, Jésus vous a éclairé pour que vous puissiez éclairer. La parole qui sort aujourd'hui va t'éclairer encore plus pour que tu ailles pour briller. Voici. Jésus a déclaré cette parole. C'est une vérité. Vous êtes le sel de la terre. Je vous demande, si tu mets le sel dans l'eau, n'est-ce pas que l'eau fait fondre le sel? N'est-ce pas? Mais quand tu prends l'eau, tu bois. Quelle serait cette eau? Ce serait de l'eau salée. Est-ce qu'on peut enlever le sel? Bien vrai que l'eau peut fondre le sel. Mais tout l'eau devient salée. Peut-être que quand l'eau va fondre le sel, on ne voit plus le sel dans l'eau. Il pense qu'il a eu la victoire, mais le sel l'a complètement contaminé. Voici. C'est de cette même manière que le Seigneur t'a placé sur la terre. Quel que soit ton état, crois que ta vie n'est pas un hasard. Tu n'es pas sur la terre comme ça. Marcher en vain comme ça. Et manger comme ça. Se promener tout simplement en vanité. Mais il y a un but pour toi. Quel que soit ton lieu de naissance. Quelle que soit la famille dans laquelle tu es né, quelle que soit la manière dont tu es issu, voici, que tes parents soient divorcés, c'est pas un problème. Dieu dit qu'il a besoin de toi. Comment tu es venu? Tu ne connais pas ton père ou ta mère? Et on appelle ce genre d'enfant des noms. C'est pas un problème. Si Dieu a bien voulu que tu apparaisses. Et il ne t'a pas tué depuis que tu es tout bébé. Il a bien voulu que ton âme entre en toi, que tu vives. Cela veut dire il a un plan pour ta vie. Quel que soit le lieu où tu te perds, si tu as été enraciné dans la brousse, si tu as été planté dans une ville, ou bien tu as été planté dans une famille prospère, ou bien tu as grandi dans une famille pauvre, la semence que tu es, où que ce soit qu'on te plante, voici la volonté parfaite de Dieu, c'est que tu pousses et que tu portes des fruits. C'est pourquoi le Seigneur est en train de venir, il viendra chercher tes fruits. Il viendra te réclamer des fruits. Parce qu'il t'a placé pour que tu portes des fruits. Ce n'est pas tout. Le verset 14. Et verset 1 année.
que nous sommes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Ne peut pas échapper au regard. Écoute-moi ce matin. Est-ce que tu veux être parmi ceux qui vont rencontrer Jésus? Il ne faut plus rester assis. Dis-le à la personne à côté de toi. Ne reste plus assis. Mais lève-toi. Et que tu brilles selon la semence que le Seigneur a semée dans ta vie. Les gens s'amusent. C'est maintenant nous sommes en train de nous planifier beaucoup de longs programmes alors que nous ne sommes pas concertés avec le Seigneur concernant sa venue. Oui. Tiens donc. Selon nous, nous sommes le maître du temps. Et nous ne sommes pas concertés avec le Seigneur concernant son temps. Nous-mêmes, on s'est planifié, programmé des choses cette année. Je ferai ci, dans 5 ans, je ferai ci et ça. Dans 10 ans, il y aura ci et ça. Et nous avons déjà planifié nos années. Et nous avons calculé, compté nos années. Ce que nous avons en nous, nous voulons vivre nos années selon cela. Il y a beaucoup qui sont assis ici, ils ne veulent pas œuvrer pour le Seigneur. Parce qu'ils se sont fait des rapports de leur propre année. Je suis très jeune. Je vais faire 4 ans d'abord d'études supérieures. Je vais chercher mon doctorat d'abord. Après, je vais faire le professorat. Et tu crois que Jésus est un boy de Abika Blala, il est à ta volonté, il va te laisser faire tout cela avant sa venue. Est-ce que tu t'es concerté avec Jésus concernant ton temps? La respiration que tu respires, pourquoi on ne te l'a pas arraché? La respiration que vous respirez, pourquoi vous n'avez pas été privé de cette respiration? Pourquoi vous n'avez pas été privé de la respiration? Parce que Dieu a besoin de toi. Il veut que tu accomplisses quelque chose. Il veut que tu le serves, que tu œuvres pour lui. C'est tout. Au drone et donc. La ville qui est placée sur une colline n'échappe pas au regard. N'échappe pas au regard. Toi et moi. Maintenant, ce n'est pas le moment de nous cacher. Non. Maintenant, c'est le moment de briller, d'amener la lumière pour le Seigneur. Briller pour que les gens m'élèvent, il ne s'agit pas de ça. Briller pour que le Seigneur se réjouisse en nous. Et qu'il nous paye le jour de sa venue qui est déjà proche. Quand tu lis le livre des Actes, Actes chapitre 8, nous allons commencer la lecture au verset 1 jusqu'au verset 6. Saul avait donné son approbation à l'exécution d'Étienne. Voici. En ce moment-là, l'église était refroidie. Comme aujourd'hui, l'église est vraiment refroidie pour beaucoup de choses. Afle. Voici. Que ce jour-là même, une violente persécution s'est déchaînée contre l'église de Jérusalem. Tous les croyants se dispersèrent à travers la Judée et la Samarie.
à l'exception des apôtres. Verset 2. Le verset 2. Alanya sramba doye Étienne chudo kasu kashikosebe. Quelques hommes pieux ont enterré Étienne, ils ont pleuré sa mort. Saul koni tumbis aseko peke walsaka église tie. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'église. Le verset 4. Verset 4. Le verset 4. Les croyants qui étaient dispersés, ils sont allés proclamer la bonne nouvelle partout. Pourquoi ils étaient dispersés? Toro. Souvent des persécutions se lèvent contre l'église, c'est pour que l'église soit dispersée. Se disperser et se diviser, il ne s'agit pas de ça. Être dispersé pour pouvoir accomplir ce pourquoi Dieu les a appelés. Peut-être si cette violente persécution ne s'est pas laissée contre l'église, Philippe n'allait pas aller évangéliser à Samarie. Ils étaient tous à Jérusalem. Tout va bien à Jérusalem. Tout confortable dans l'église. Il y a de très bons messages. Il y a des grandes prières. Et ils sont ensemble. Mais Samarie kaube. Et il y a les Samaritains. Ils ont faim. Il y a d'autres pays. Ils ont faim. Et Dieu veut que sa parole arrive là-bas. Et les croyants sont restés ensemble. Et il y a la violente persécution qui s'est levée. À cause de cette persécution, les croyants ont été dispersés. Voici. Ne permets pas que Dieu pousse une violente persécution contre toi pour que tu te lèves et que tu fasses sa volonté. Non. Il faut le faire volontairement, librement. Il faut le faire avec plaisir. Ne permets pas que Dieu t'emmène à une persécution pour que tu te lèves et que tu brilles. Que quand Philippe est arrivé à Samarie, qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il prêcha le Christ à la population. Verset 6. Verset 1. Quand les gens ont entendu les miracles de Philippe, quand ils l'ont vu, ils l'ont entendu. Et ils ont écouté avec un seul cœur. Voici, le réveil est rentré à Samarie. Il y a eu des miracles. Il y a eu beaucoup de prodiges. Il y a beaucoup qui veulent la manifestation des signes et des prodiges, mais ils ne veulent pas se lever. Est-ce que Philippe a commencé à faire marcher les paralytiques quand il était à Jérusalem? Quand au moment quand il allait se trouver en Samarie, et la puissance de Dieu a commencé à se manifester. Parce que Dieu veut toucher les hommes parce que sa venue est proche. Mais l'église est en train de dormir. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu dors? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Demande à la personne à côté de toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Alléluia. Ayafo. Nous avons déjà dit. La lumière brille encore plus fort en présence des ténèbres. Les croyants d'aujourd'hui, ils sont en train de fuir tellement les complications des ténèbres qu'ils ont oublié qu'eux-mêmes ils sont lumière. Il y a beaucoup qui souhaiteraient ne plus voir les problèmes dans leur vie avant de se tourner vers Dieu. Que des problèmes de maison finissent, que mes problèmes financiers se résoudent. Il y a certains même qui donnent des promesses à Dieu, si tu me donnes cet argent, si tu me fais ci ou ça, je vais en ce moment me tourner vers toi. Quand Jésus va se lever au ciel, toi tu seras la personne qui regrettera. Qui t'a dit que les problèmes de l'homme finissent d'abord, après tu vas t'occuper des affaires de Dieu? Dis-moi,
verset biblique tu m'as fait. Et quel verset biblique te dit ça? Pour quand qui gagne na maya problème bête ni na bofolo kasoro ka ala take. Que tu dois résoudre d'abord tous les problèmes de ta vie et après s'occuper des problèmes de Dieu. John de Afo. Qui t'a dit? Il gagne tout de soro vient ka muso furu folo vient ka denchamo soro folo ika soro ka ala. Tu dois avoir une maison où te marier ou avoir beaucoup d'enfants, après tu vas t'occuper des affaires de Dieu. John de Afo. Qui vous a dit ça? John de Afo koni kera muso eko koro e de imanga fenga. Que qui t'a dit que si tu es une femme tu ne dois rien faire pour Dieu? Ou bien si tu es déjà âgé tu ne dois rien faire pour Dieu? Qui vous a dit ça? John Leo Foye. Pierre. Pierre. Est-ce que Pierre n'avait pas de problème? Quand il est en train de servir Dieu. Paul. Paul. Est-ce qu'il n'avait pas de problème? Ils ont passé toute leur vie dans des difficultés. Mais malgré les ténèbres qu'ils étaient autour d'eux, ils ont prié. Mais alikasoro dibi kunga djumu utora kantigia le wetelike ou manamanana. Ya utu kungera dibi et Paul singoro. Les Juifs étaient des ténèbres sous les pieds de Paul. Et ils essayent de le contredire, de discuter tout le temps avec lui. Et ils étaient en train d'essayer de le frapper avec des cailloux. Un jour, ils l'ont tellement frappé avec des cailloux jusqu'à ce qu'il a perdu connaissance. Afflé. Voici. Il pensait que Paul était même mort. Les disciples ont pris Paul. Ils l'ont amené derrière la ville. Et quand il était sans connaissance, Dieu l'a amené jusqu'au troisième ciel. C'est en ce moment que c'est arrivé. C'est dans l'épître des Corinthiens, il dit qu'il connaît un homme, il ne sait pas si dans la chair ou dans l'esprit, il a été élevé au ciel. C'est là où c'est arrivé. Voici, quand tu es dans ton problème, quand les ténèbres sont à côté de toi, Dieu a le pouvoir de t'amener au troisième siècle pour aller voir sa gloire. Mon ami, si tu ne te lèves pas aujourd'hui, demain tu regretteras. Si tu ne te lèves pas, tu ne fais pas. Si tu ne fais pas la différence, le discernement du temps de Dieu, demain tu regretteras. Dieu a placé quelque chose dans chacun d'entre vous et quelque chose qui doit briller. Dieu a placé quelque chose dans chacun d'entre vous et que tu dois pousser, qui doit porter des fruits. Jésus a dit, allez-y partout dans le monde et annoncez la bonne nouvelle. Peut-être nous n'allions pas tous aller en France, et ce n'est pas nous tous qui allons en Amérique, et aller partout dans le monde. Cela ne veut pas dire que tu te promènes partout dans le monde. La famille où Dieu t'a placé, c'est ton monde. Et ta famille dans laquelle Dieu t'a placé, c'est ton monde. Le quartier où Dieu t'a placé, ça c'est ton monde. Le lieu de travail que Dieu t'a placé, c'est aussi ton monde. Le monde, ce sont les gens qui nous portent, qui sont en train de nous entourer. Et ce que les personnes que Dieu nous a placées comme voisins, il faut que la lumière brille. Voici. La lumière actuellement, présentement, doit être plus grande que le moment de réveil en Jérusalem. Oui. La lumière d'aujourd'hui doit briller encore plus fort que le premier réveil. Quand tu regardes les croyants d'avant, quand tu regardes le réveil à Jérusalem, c'était des gens qui n'avaient pas de vie. En ce moment, le christianisme c'était se sacrifier. Et ils étaient en train de souffrir tout le temps pour Christ. Ils n'avaient pas de vie. Ils n'avaient pas de vie.
Tu vas voir que certains sont en train de courir par-ci, par-là. Il y a certains qui passaient la nuit sur les collines. Ils n'avaient même pas de beaux vêtements pour porter. Mais avec tout ça, mais au Benata, et avec toute cette persécution, et c'était des hommes qui attiraient encore beaucoup plus de monde vers Jésus. De confort là. Ils n'étaient pas dans un confort. Et puis, et Anifuna, ces chrétiens de ce temps, si tu leur disais Maranatha, Jésus revient bientôt, Yesu ben asoni, ils étaient contents. Ah, Yesu ben ale. Ah, Jésus vient. Amen, nous allons partir au ciel. Malgré que Yesu man oka époque là. Jésus n'est pas venu en leur temps. Mais, quand tu dis aux chrétiens d'aujourd'hui, Maranatha, il ne verse pas de larmes. Il ne veut pas que Jésus vienne bientôt. À cause de ses projets. Oui, il y a un coup de latte qui nous fait s'en faire. Accueillir. Vous voyez? L'histoire de l'église, il y a des catacombes qui recherchent des millions de tombes. Si tu vas lire l'histoire de la première église, l'église ancienne, tu vas trouver des catacombes dedans. Il y avait des tombeaux, des cimetières. Beaucoup de personnes étaient enterrées là-bas. C'était des personnes qui avaient renié leur vie. Parce que, en vérité, ils étaient en train d'attendre la venue de Jésus. Et ils pensaient que Jésus va venir en leur temps. Mais il n'est pas venu en ce moment. Mais ils ont reçu la récompense au ciel. Je vous l'ai dit aujourd'hui. Des courants religieux qui ont dit en 2000 où Jésus va venir, ils ont prononcé et fixé des dates que Jésus va venir, il n'est pas venu. Assois-toi, ne crois à rien, tu verras. Ici, quand tu écoutes ces messages là, ne crois à rien. Il te défaut là. Personne ne te donnera une date ici. Mais la Bible nous a donné une parole. Hein? Et Jésus aussi nous a confirmé, il a dit des paroles. Ne crois pas, tu verras. Et la foule ont entendu et ont vu les signes et les miracles qu'accomplissait Philippe. Ils ont écouté avec un même cœur. Persécution et église, là où il vit. Persécution. La persécution. C'est en ce moment que l'église a été dispersée. Ils se sont levés, ils sont partis travailler. Il y a des croyants, tant qu'ils ne commencent pas à se confronter à des problèmes, à vivre des situations difficiles, ils ne savent pas qu'il faut prier pour l'autre, son prochain. Quand on te dit de se lever et de prier, il ne s'agit pas seulement du dehors, mais de l'intérieur aussi. Les croyants ne se préoccupent plus des problèmes de l'autre. Non. Tant que leur vie ça marche bien, tout est bon. Ils se lèvent et commencent à courir partout quand le tour leur arrive. Il y a beaucoup qui ignorent les questions de problèmes sauf quand le tour leur vient. En ce moment, les chrétiens veillaient et ils priaient les uns pour les autres. Il y a beaucoup de problèmes qui surprennent beaucoup d'entre nous parce que nous ne prions pas les uns pour les autres. Tout le monde pense à soi-même. Soi-même. Nous sommes réunis physiquement, mais dans le cœur, nous sommes divisés. Voilà les problèmes. Guéléa Fleni. Luc 2, 48-49. Lucas Rafla,
Les parents furent très étonnés de le voir là. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Tu sais, ton père et moi, nous étions très inquiets et nous t'avons cherché partout. Mm-hmm. Le verset 49. Pourquoi m'avez-vous cherché? Lui répondit Jésus. Mm-hmm. Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Ne saviez-vous pas quoi? Ne saviez-vous pas quoi? Que je dois faire quoi? M'occuper des affaires. Quelles sont les affaires du père? Il parlait de quel père? Son père céleste. Quelles sont les affaires du père? Toute son œuvre, tout son ministère. Il y a beaucoup qui pensent que les œuvres qu'ils sont en train de faire dans l'église ou dehors, qu'ils le font pour un pasteur. Hey. Cette œuvre n'appartient à aucun pasteur. Si tu vas considérer cette œuvre, ce ministère pour un pasteur, tu ne seras pas un bon ministre, un bon serviteur. Si tu persévères pour un pasteur, tu ne seras pas un bon serviteur. Si tu as du zèle à cause d'un pasteur, tu ne seras pas un bon ministre. Ces affaires, ces œuvres sont pour le Dieu, c'est le Père céleste. Tous en savaient cela. Kabini a centaine fla à Kumboro Kalama. Kabiye sous centaine fla pas d'okale kanga chantoa fa kabara la. Depuis qu'il avait 12 ans, il sait qu'il doit s'occuper des affaires de son père. Jésus ne s'est pas assis et voir l'œuvre de son père détruire. Mais aujourd'hui, l'œuvre de notre père est en train de se détruire et ça ne nous concerne rien. Il y a beaucoup qui pensent que s'il va abandonner la foi, c'est le pasteur qui aura mal. C'est vrai, pasteur là. Ça c'est vrai, le pasteur va souffrir. Parce que pasteur t'a fait. Parce que le pasteur ne veut pas qu'une brebis soit perdue. Mais ça va faire encore plus mal à ton père céleste que le pasteur. Et tu n'es pas en train de le faire au pasteur, mais tu le fais à ton père céleste. Il y a quelqu'un qui pense que lui, s'il ne va pas accomplir une œuvre bien dans l'église, il est en train de se moquer de l'autre. Si tu ne réponds pas au chant de quelqu'un d'une bonne manière, tu penses que c'est à la personne que tu fais mal? Tu es en train de détruire l'œuvre de ton père. Et si vous priez ensemble dans le groupe d'intercesseurs et toi tu fais exprès pour dévier la prière de l'autre, tu penses que tu es en train de le faire à l'autre, tu le fais à ton père céleste. Et le jour de sa venue, tu seras confondu. Voici le jour de venue de Jésus. Moi je ne veux pas prendre tes confusions. Toi, tu ne peux pas prendre mes hontes non plus. Chacun pour soi. Ce que tu as fait, ce serait ton problème. Chacun pour soi. Béni à Kungodo. Jésus a dit l'œuvre des affaires de son père. Et chanter, louer les affaires de son père. Accueillir les venants, ça c'est aussi les affaires de Jésus. Et l'intercession, c'est aussi les affaires de Jésus. Annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, c'est les affaires du Père de Jésus. Voici. Accepter l'humiliation. Ta propre vie. La personne à qui tu évangélises accepte d'être confondue devant lui. C'est le moment d'haïr nos propres vies.
Et donner cette vie à Jésus. Parce que Jésus a dit, celui qui préserve sa vie va perdre sa vie, mais celui qui réunit sa vie pour lui va le recevoir. Voici Jésus. Accepte d'être confondu à cause de Jésus. Accepte que quelqu'un te parle mal à cause de Jésus. Accepte que quelqu'un te parle de respect à mon accueil et que toi tu avances ce que tu veux. Continue et que tu sois mal. Continue à faire ce que tu dois faire. Peu importe. Et à mon accueil tu vas te faire. Si on doit te diffamer à cause de ta position, quelle que soit la situation, on s'en fout. Autant assurer. Le plus important là, c'est d'avoir Jésus. C'est tout. Oui. Maintenant, c'est pas le temps de s'amuser. Mon ami, même si Jésus doit venir 100 ans encore, commence aujourd'hui, élève-toi et brille. Ça, c'est juste pour parler. Ça ne vaut même pas la moitié de 100 ans. Tu m'en bats, faut pas faire. Toi, tu parles avec assurance de ces choses. Ok. Il y a beaucoup qui vont penser toi, tu n'as pas d'assurance là, sois toi. Que pasteur Jagléa a fait quand nous sommes nous font comme Jagléa a fait à Cincinnati de ce qu'on a ici. Mon au Benin. Pourquoi vous me cherchez? Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Hein? Ali chini anchama metan janto enes kasokono kula kanyina anfa kasokono koko. Jusqu'à présent, beaucoup d'entre nous allons nous occuper de nos propres affaires et oublier les affaires du père. Yesu bena ota yereka ikanyina yereka sokono koko me oyika kala ya ifa kasokono kula kali yeretaka. Cela ne veut pas dire d'ignorer, de négliger tes propres affaires, mais que tu dois avoir du zèle pour les affaires de ton père. Oui. Oui. C'est comme ça que ça doit se faire. Dès lors, Yesu ya janto afaka sokono kula fukata se abodoma dukuloka. Kamini owati la Jésus s'est occupé des affaires de son père jusqu'au jour où il a quitté ce monde. Aya janto afaka sokono kula. Il s'est occupé des affaires de son père. Allah beni kuloka distance jang tarama afaka sokono kuni na bolla. Il était prêt à marcher de longues distances pour résoudre les affaires de son père. Allah beni kuloka shikongo la wala saka afaka sokono kuni na bolla. Il était prêt de dormir, de passer toute la nuit dans la faim pour résoudre les affaires de son père. Il les était prêt d'accepter les insultes pour seulement résoudre les affaires de son père. Pasteur Doko, un pasteur a dit, ils sont allés évangéliser quelque part et les logeurs les ont accueillis avec du taux. Et ils ont dit, ceux-ci-là ne savent pas comment honorer une grande personnalité. C'est le pasteur qui a dit que ces gens-là ne savent pas comment honorer de grandes personnes. Comment une personne aussi importante vient chez toi et tu l'accueilles avec du taux. Oui. Que le taux n'est pas une bonne nourriture. Ce n'est pas une nourriture pour accueillir une personnalité importante. Mm-hmm. Oui. Mais pourtant, Jésus n'a pas eu du taux souvent. Afle. Voici. Yohana sura naninkala. Lis Jean chapitre 4. Jésus s'est tarama la kawashi minoro kumbala tarisiki kolondala. Jésus, dans Jean chapitre 4, il a marché tellement longtemps, il était tellement fatigué, il allait s'asseoir au bord d'un puits. Est-ce qu'il a mangé du taux? Hein? Ta Israël, abefoko Jésus boira Capernaum ataraya ataraya ta kilomètre hakeula ka ke sina ika korobo kalaje. Va en Israël et tu vas voir les distances. Il a quitté Capernaum, il est allé là-bas à Béthanie. Tu vas calculer les distances et tu verras combien de kilomètres il a marché. Mon ami, comment est-ce que tu fais quand tu ne fais rien?
Comment tu peux te trouver dans la maison de ton père? Il te fouille. Il est chrétien, demsen chamoy église qu'on te fouille la menitara djie qu'on y pas yube kuka talent exploiter djie mais ou famille sangolo la alaye ou te ka fouille oui. Et tu vas voir beaucoup de jeunes chrétiens dans l'église, ils ne font rien de tout, mais quand tu les vois dans le monde, ils sont en train de manifester, de mettre à l'œuvre les talents, les dons qu'ils ont. Chrétien jeune joli kara fain djie la biche. Il y a un jeune chrétien qui est devenu quelqu'un dans le monde. Et le monde connaît leur talent. Et le monde sait qu'ils savent, qu'ils connaissent la musique. Et le monde sait que c'est des bons caméramans. Et le monde sait que c'est des grands chanteurs. Et Dieu ne sait qui sont ces gens-là. Combien de personnes sont connues comme de grands maçons dehors et ont construit la maison de Dieu? Ils savent, on ne sait pas qu'il y a ces maçons. Combien de personnes sont connues comme grands électriciens d'ailleurs, mais dans la maison de Dieu, les câbles électriques frappent les gens et on ne sait même pas qu'il y a des électriciens ici. Quand on te dit de te lever et briller, tu penses que c'est de prendre le microphone. Tout le monde peut prendre le microphone. Et Sarah, est-ce que tu es mort? Combien de personnes sont connues comme de grands conseillers qui soulagent les gens dehors? Dans l'église, on ne sait même pas qu'il y a ces conseillers qui ont des compassions pour les autres. Quand est-ce que vous allez vous rendre compte, savoir que votre père c'est Dieu, c'est pas le pasteur, et que vous devrez vous occuper des affaires de votre père? Vous êtes des vaines conseillers. Vous avertirez et nous avertir aussi. Exode 17, les versets 10 à 12. Exode Suratanoulumvla, verset Tanfoutanfla. Moussa et Mifo José. Ce que Moïse a dit à Josué. José au Amalek Bonzon Kele. Josué a agi ainsi, il a combattu les Amalécites. Moussa ni Aaron ni Uruyelena Tintikan. Moïse et Aaron sont montés sur la colline. Chaque fois que Moïse élevait la main pour prier, et Israël avait l'avantage dans le bataille. Mais lorsqu'il baissait les bras, et les Amalèques remportaient la bataille. Les bras de Moïse étaient fatigués. Les gens pensent que les bras du pasteur ne se fatiguent pas. Les autres ne savent pas que les bras des autres chrétiens se fatiguent, sauf le jour où eux-mêmes auront les bras fatigués, ils vont savoir. Voici. Il y a beaucoup qui ignorent que la maladie fait très mal, sauf quand ils tombent malades eux-mêmes. N'est-ce pas? Il y a d'autres qui leur parlent de leur maladie. Je suis malade. Oh, le Seigneur va te guérir. Il va résoudre ce problème. Audron, et ils sont partis comme ça. Ils ne prient pas. Ils ne jeûnent pas. Ils ne savent pas que les bras de cette personne est fatigué, qu'ils doivent le soutenir. Ils le dépassent comme ça. Mais le jour, quand ils vont être frappés par la maladie, ils vont commencer à faire du bruit partout. Oh, priez pour moi, oh s'il vous plaît, priez pour moi. Ah, est-ce que c'est agréable à vivre? Combien de malades tu as passé à côté?
Combien de ton temps as-tu jamais consacré? Combien de minutes de ton temps tu as pris pour prier pour un malade? Un malade que tu ne connais même pas. C'est lui que tu connais, c'est que vous avez une certaine relation. Mais c'est lui que tu ne connais pas du tout. Parce que c'est ton frère en Christ. Et tu veux lui être bénéfique. Et tu as été crié pour que tu brilles, tu veux briller pour la vie de ce dernier aussi. Non. On fait rien. On te fait rien. Mais quand le tour nous arrive. Quand le tour nous arrive en ce moment, Afle. Nous faisons beaucoup de problèmes. Quand ton prochain, ton frère a besoin d'aide, tu occupes, tu le fais. Quand le tour te viendra, Dieu aussi va s'occuper de tes affaires. Et Dieu va accomplir sa responsabilité. Cette église devient une église très forte et très puissante. Quand l'autre partie est affaiblie, la partie forte soutient. On ne tombe jamais, on avance. Et le problème, c'est quoi aujourd'hui? Quand tu vas appeler quelqu'un pour lui parler de tes faiblesses, de tes infirmités, tu te rends compte que tu vas entendre ta nouvelle sur les ordres de France 24. Ne vous en faites pas. Reste tranquille. Ton tour va venir. Ceux qui se promènent, ils ont entendu des choses sur les autres, commencer à annoncer, à rapporter partout. Ce qui est écrit dans la Bible, tranquille. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, il faut les faire pour eux. Va aller rapporter, défamer la famille des autres. Au lieu de les aider, tu es en train de les combattre. Tu fais partie d'une famille. Reste tranquille, ne bouge pas. Regarde ça. Ils ont pris une pierre, ils ont placé sous Moïse, il s'est assis. Aaron et Hur lui ont pris les deux bras gauche et droite, et jusqu'au coucher du soleil, il n'était pas fatigué. Si Aaron et Hur n'avaient pas agi ainsi, est-ce que Israël allait gagner dans le Moussa? Moïse, la puissance de Dieu passe par lui. Mais ses bras étaient fatigués. Il fallait que Morodokana Ofanaka Manamana allait kerefe pour que Aleka Barainka appuie Kanye. Il fallait que quelqu'un vienne prier à côté de lui pour qu'il puisse œuvrer et travailler. Aaron. Et où? Capacité Batou, c'est-à-dire. Et il n'avait pas reçu autant de puissance. Mais ils ont pensé, nous pouvons faire ça pour que ce ministère avance. Qu'est-ce que toi tu dois faire et que tu refuses de faire pour que le ministère avance? Les affaires de ton père céleste, c'est pas les affaires de mébé, mais les affaires de ton père qui est dans les cieux. Beaucoup de choses que tu peux faire pour montrer tes connaissances, tes capacités. Mais non. Aïe. Moi d'abord. Néphalo. Dimanche surpassé, on a vu Jésus d'abord. Le dimanche surpassé, Agnès Kanamine Kouye sous Folon. Mais
Dans les croyants d'aujourd'hui, ils disent moi d'abord, mes intérêts d'abord, mes biens d'abord, ma famille d'abord. De toutes les façons, moi je te conseille, je t'avertis, toi qui es en train d'écouter, que tu brilles, que tu fasses tout son possible avant que le Seigneur ne vienne. La semence que le Seigneur a plantée en toi, lève-toi avec cette semence et œuvre, ne reste plus assis. Que tu sois dans ton lieu de travail, est-ce que tu es dans ton mariage, le Seigneur t'a donné une capacité. Que tu sois rayonnant, ce n'est pas un problème. Que tu ne sois pas connu, ce n'est pas un problème. Voici ici. Moïse était au-dessus. Aaron et Hur pouvaient penser, si nous allons l'aider, c'est lui qui va être connu, nous autres non. Tu vois, c'est le problème, ce n'est pas le problème même des chrétiens, mais c'est le problème des Maliens. Les Maliens. Nasro, si ça se trouve que bébé dingue dans les conno, ils étaient tous dans une fosse. Ou ka jeka moko kele ou ka escalier ke moko ouvie ou ka ou bolo didi nyoko makele nga yele nka bo dingue conno ka ta sekuru nyini kana ou labo. Que ensemble ils choisissent un qu'ils sortent pour aller chercher le secours pour sortir les autres. Quand ils vont faire ça, celui qui doit sortir pour aller chercher du secours, il y a un à côté qui va le tirer, le faire retourner. Non, il ne va pas sortir. Parce ici, que d'abord, il va sortir. Donc, non. Quand il va sortir, on va parler de lui, que c'est lui qui allait chercher le secours. Ils vont dire, non, ce serait moi qui va sortir. Voilà. C'est pourquoi il ne faut pas mettre un gardien pour garder le Malien. Parce que vous êtes d'abord. Parce qu'ils ne vont pas sortir à l'insu de l'autre. C'est quelqu'un qui a donné cet exemple. Ils ont mis les Chinois dans une même fosse. Ils vont trouver un plan pour qu'un sorte pour aller trouver la solution. Si vous avez mis les Chinois dans une gardien fosse, au gardien aussi écologique, parce que ni ou na se goupe pour que mon coquelin à bord gardien coubali font malien ou gardien gardien compté. Il n'y a pas de mouna tingati malien ou gardien et gardien te go non à mon côté gardien blé parce que oui retenant son keling à bord. Donc ils ont placé plusieurs nations dans des fosses et il y avait un gardien placé à la porte de la fosse. Chez les Maliens, il n'y avait pas de gardien parce que... Est-ce que le christianisme n'est pas comme ça au Mali aujourd'hui? Il n'y a même pas besoin de garder. Ils vont eux-mêmes faire ton travail. Ils ne veulent pas que un parmi eux avance. Afle. Voici. Ni pour ni Aaron Kungo Moussa de Torobeye, ko ute ou se koke ni bara ingatanya, ukmena Israël belase halakima. Si Oun et Aaron avaient pensé que c'est Moïse qui serait encore plus connu et ils allaient amener tout Israël à la destruction. Et puis wakla kubna ke kubmeka ke Moussa la ubeka ke ala erella. Il pensait que c'est à Moïse qu'il faisait, mais c'est à Dieu lui-même qu'il faisait mal. Ala kumuka kononanjuya ni ala nana domia Moussa raka kayenuka kononanjuya. Et cette mauvaise volonté, quand Dieu viendra, il allait les payer selon cette mauvaise volonté. Deli kononanjuya kana ke itabolo. Je t'en supplie que la mauvaise volonté ne soit pas ta manière d'être. Non. Non. Sache que tu as un père au ciel et tu dois t'occuper de ses affaires. Si l'œuvre est bien faite et que tu arrives à avoir des âmes, ce n'est pas pour les hommes mais c'est pour Dieu. Vous pensez que Abena Kodea aïe avec Ake Aladi. Et si votre louange est bien faite, vous pensez que celui qui a le microphone, vous le faites pour lui, mais pour Dieu que vous faites. Non. Alors, bête mon kelenga kolaje.
Dieu ne regarde pas les affaires d'une seule personne. Mais Dieu regarde les œuvres de son assemblée, de son peuple, et avec le cœur qu'ils sont en train de faire. Et on doit à présent commencer à louer, à célébrer le Seigneur dans les champs. Quand il viendra, il va prendre tous les chantres. Jean 4, 39. Yohana Swanani, verset 10, Samani Konanto. Aaron et Hur, ils ont brillé. Aaron et Hur, manamanana, ouye yelembo. Ouye yelembo. Ils ont brillé. Afle. Voici. Attends. Name. Écoute-moi. Est-ce que. Kamoko kelim bolo kelim korotata, kamoko kelim bolo kelim korotata, to ajolengato. Talando kondo, mais. Est-ce que c'est quelque chose de très, très, très spécial? Lever, tenir un bras et l'autre bras d'une personne, qu'il soit levé, est-ce que que trois hommes viennent ici? Que vous venez tous les trois ici? Et Moïse, et Janou, toi, tu es Moïse. Il faut lever les deux bras. Aaron va venir ici. Et Hur va là-bas. Dieu a besoin que ce bras soit élevé. Parce que tant que ce bras est élevé, sa puissance va se déverser. Israël baissait son. Israël a la victoire. Voici où yuka talent mis blabara la ya blafolo. Leur talent qu'ils ont mis en œuvre. Oui, talent mis blabara la. Le talent qu'ils ont mis en œuvre. Ce n'est autre chose. Seulement tenir ces bras-là élevés. Très simple. À Kanorokosebe. Parce que vous bolo boula, vous savez que bolo beseka nafadonya. Ils savent qu'ils ont des bras et que leurs bras peuvent servir pour quelque chose. Abana. C'est tout. Hey, nimpolo nyombe moko jola ya. Combien de personnes ici ont ces mêmes bras? Obolo vese ka kutai. Et ces bras-là peuvent être leurs bras. Leur bouche. C'est leur bouche. Misala, exemple. Nibolo imbese ka kaya sangani udai. Et ces bras peuvent représenter leur bouche. Ubu nyongeri shufora kleka ka ala deli ala ka barakela uye wala se obolo korota lengato. Ils peuvent se prosterner et prier nuit et jour pour les serviteurs de Dieu pour que leurs bras soient toujours élevés. Ils peuvent se prosterner et prier nuit et jour pour que des âmes soient gagnées. Ils peuvent se prosterner nuit et jour et prier Dieu selon les problèmes qu'il y a. Ils sont là. Même si on ne les voit pas, mais oubliez. Est-ce que tu penses que quand Jésus reviendra, c'est lui que tout le monde va avoir plus de récompenses que ceci-là? Et pourtant, on ne les voit même pas. Et pourtant, ce qu'ils sont en train de faire, moro irignete olaire. Aïe. Non. Qu'est-ce qu'il faut? C'est lui qui commence à dire. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que je suis maudit? Moi, je vais laisser mes affaires pour prier. Est-ce que le pasteur même prie pour moi? Et Dieu passe par lui. La nourriture qu'il te donne, c'est pourquoi tu es encore ici. Et à part ça, les prières qu'il fait pour toi en cachette, tu ignores. Et qu'on oublie le pasteur. Quel que soit le ministère, ils vont laisser ce bras-là tomber. Ce n'est pas leur problème. Maudit. Est-ce que je suis maudit? Tu n'es pas maudit. Tu es vraiment très très béni. Mais la bénédiction qui
ça va mal finir. Nifana. Celui-là aussi. Bon, qu'est-ce que tu vas dire? Emna mufo. Hein? Doa ubiko. Mo ibabla. Hein? Vous voyez? Alaka ide maamena lengato. Alaka fananka ide maamena lengato ha. T'aide, que Dieu t'assiste pour que tu puisses tenir les bras là. Et la fialente. Toi tu es un repos. Vous savez. Vous savez. Na fara ke rek lenga keta ibna militi jolike. Si bon. A minute quand elle est maintenant. Amanjan. Amanjan. Aïta, et puis c'est tout en amère. Aïka, moro bolo, tu es bolo, tu moro bolo. Mais c'est la mère. C'est tout. Et toi aussi. L'ingé chilien de passer ou de Roma. Cela ne concerne pas seulement les pasteurs. Afflé. Voici. Les gars, j'ai oublié. Si c'est pas Angélica, un truc comme ça, un gars comme ça. J'ai oublié. Mais yala nyamana ka papier ou tomon tomon. Na yo papier ta koufere abta kitabu sangano ditana bauma et moho ma pour que ou ka tubi katana ka formé dana yala. Il se promenait dans l'état d'ordure. Hein? Angélico. Et il a ramassé des papiers qu'il allait vendre, avoir de l'argent, acheter des bibles pour donner aux gens. Jésus doit venir trouver l'église en train de faire ce genre d'action. C'est maintenant même ce moment. Et vous savez que asikleme trône kan sangolo asikleme masasikla pas de kan sangolo la Yesu kerefe. Et vous savez qu'il est assis sur un grand trône dans le ciel à côté de Jésus. Moi, ne t'es contenté de ronca sikim masasikla no kan sangolo. Moi, je ne veux pas seulement m'asseoir sur seulement être quelqu'un. Ça me plaît. Je veux être juste à côté de Jésus au cadenet qu'on serait. Je ne veux pas cette prière-là. J'ai canté la prière de Jean et de Jacques. Jean 4, 39. Il y a un anniversaire. Beaucoup ont crié à Jésus à cause du doctorat de la femme. Hein? Afflé. Voici. Cette femme a témoigné, elle était quelle sorte de femme? Est-ce qu'elle avait un mari? Hein? Elle était mariée. Jésus dit que le cinquième homme qu'il vit avec, c'était pas son mari. Les autres femmes, quand elles vont puiser, elles ne venaient pas en ce moment. Cela veut dire quoi? La femme-là, elle avait un problème. N'est-ce pas? Au problème ma balika seria ka Yesu koso. Ce problème là ne l'a pas empêché de témoigner de Jésus. Bo Samarika moko chamandara Yesu la musoka seria koso. Que beaucoup de Samaritains ont cru en Jésus grâce à son témoignage. C'est ça. Au dedans. On brille dans les ténèbres. Ambe manamana dibide la. Samarika ka dibila ni muso yi manamana na. Dans les ténèbres des Samaritains, cette femme a brillé. Dans l'obscurité de la reine des Samaritains, cette femme a brillé. Pourquoi je vous n'ai pas envoyé au donchou? Vous pensez que Galéau ni Toro ni Ko devina pas? Eh, vous mentez. Je vous ai dit l'autre nuit, à Bokonoko, les problèmes, les difficultés vont finir. Non, avec Flila. Et de quand que Barca Bonyaka se kunda manana Galéani Toro teni lajo. Et toi, tu dois grandir, arriver à un niveau que les problèmes ne vont pas t'arrêter. C'est pourquoi il kanga ke che delikala muso delikala ala mimbi kono ala in barka o ki fakuma be wakati be al ni Galéau nana. C'est-à-dire il toro la o mo yi konia o ke sante facile. C'est pourquoi tu dois être un homme ou une femme de prière, et en ce moment, quel que soit le niveau, le degré des problèmes, ne vont pas t'arrêter, ils vont rien t'empêcher de faire. Mais il y a beaucoup qui pensent que non, tous les problèmes doivent d'abord finir. Ça ne va pas finir. Hey,
Même prêcher les messages ne finissent pas. Ça ne finit pas les problèmes. Combien de fois on a prêché sur la haine? Pouvez-vous me dire qu'il y a quelqu'un, qu'il y a personne ici qui n'a pas de haine dans son cœur? Jésus parle aux gens, ils refusent. Et nous, les simples pasteurs, si nous parlons, est-ce que les gens vont accepter tout ce que nous disons? Il y a beaucoup qui seront changés, transformés, mais d'autres ont signé non, moi je reste comme je suis. Je ne dis pas que ces personnes-là sont parmi vous, mais il y a des personnes qui existent dans ce monde, ils restent tels qu'ils sont, ils ne changent pas. Non. Tu vas avancer. Il ne faut pas permettre que tout ceci la change. Il ne faut pas attendre que tout ceci t'accueille avec amour. Ne sois pas quelqu'un qui dépend de l'amour, de la considération des autres, mais sois quelqu'un qui dépend de l'amour de Jésus, sinon tu vas pleurer chaque jour. Tu veux briller? Que tu ne trouves pas ta joie seulement à ta femme, à ton mari, à tes amis, sinon les gens vont te faire pleurer chaque jour. Sois un chrétien enraciné et fort, lève-toi et brille. Acte 18:25. Nous allons finir bientôt et prier. Acte 18:25. Que il avait été instruit de la voix du Seigneur. Et parlait avec enthousiasme de Jésus, l'enseignant qui l'a porté sur lui. Mais il ne connaissait que le baptême de Jean-Baptiste. Voici. Quel que soit ton niveau, ton état, tu peux te lever et briller. Cet homme-là avait la connaissance seulement du baptême de Jean. Mais il parlait avec exactitude de tout ce qui concernait Jésus. C'était justificatif que tu ne connais rien, que la louche. Oui, cuisine. Paul ou bien couteau ou bien query. Paul ou une louche ou un couteau. Ou bien tu sais seulement comment frire. Hein? C'est très bien. De baigner en farine au kainkosabe. Apollos kadonia kunana Yohana kapatizeli la. La connaissance d'Apollos était arrêtée au niveau du baptême de Jean-Baptiste. Ni etai Pauli Apollos taiji. Si toi tu connais les Paul, Apollos connaît l'eau. Oui. Mais voici. Mais il parlait avec exactitude de Jésus. Il a brillé dans l'église de Corinthe. Il s'est levé, il a brillé. Bien que son niveau de connaissance n'avait pas atteint un certain niveau. Il y a beaucoup qui vont prendre beaucoup d'années, beaucoup de temps à aller étudier, avoir des doctorats, des professorats. Après, ils viennent mélanger, détruire toutes les œuvres de Dieu. Jésus ne t'a pas dit d'aller fréquenter une école biblique pour que tu luises et que tu brilles. Il ne t'a pas demandé d'être un docteur pour que tu brilles. Il ne t'a pas dit que tu saches lire la Bible pour que tu luises et que tu brilles. Et la femme samaritaine, combien de versets elle allait lire pour parler aux samaritains?
aucun verset. Ce qui s'est passé entre elle et Jésus seulement, et elle est allée dire, venez voir l'homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Voici. Voici. Chaque fois que tu veux te lever et briller pour Jésus, une petite de tes actions, le Saint-Esprit prend, il l'agrandit. Cette année, le commencement de l'année, j'ai demandé le Seigneur, où est-ce que tu veux que nous partons pour aller prêcher? Il a dit, allez-y seulement. Moi, je suis avec vous. Partout où vous irez, je glorifierai mon nom. C'est pourquoi partout où nous sommes allés, Dieu a glorifié son nom. Ma village spécifique, où vient Tukuba, il y aura spécifique quel enfant et à quoi, vas-y. Il ne m'a pas donné un lieu spécifique, un village ou une ville. Il a dit tout simplement Aïta. Il a dit partout où vous irez, je vais détruire les puissances des idoles là-bas. Je vais détruire les puissances de ces idoles. Quand nous étions dans un village Tana, Dimana. Un de nos intercesseurs allait cracher sur un fétiche. Il ne savait même pas que c'était un fétiche. Ils sont allés nous mettre dans un lieu d'idole. Les intercesseurs sont en train de marcher, en train de prier au nom de Jésus. Quand certains se fatiguent, ils vont aller cracher. Lui, il allait cracher sur une idole. Sur l'idole qu'on a placée, il ne savait pas. Nous avons dit tout ce que nous voulons. Et nous avons passé la nuit à côté. Nous avons passé toute la nuit à dormir. Nous sommes levés et partis. Voici, nous sommes encore vivants. Voici, nous sommes vivants. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Une petite parole. Cherche à briller d'abord. Cette petite parole, le Saint-Esprit va prendre et va lui donner la puissance. Sinon, pour moi, dire que. Et dire seulement, voici, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que tu as fait. Si ce n'est pas une question de divination, qui va aller courir? Il va dire, laisse-nous tranquille. Est-ce que moi je t'ai dit que je ne connais pas mes problèmes? Et ils peuvent, les gens peuvent nous répondre. De beaucoup de personnes, le Saint-Esprit dans le témoignage de la femme qui a touché leur cœur, ils sont allés trouver Jésus. Parce que la femme s'est levée dans l'été et l'a brillé. Et toi, tu dois agir ainsi. C'est pas une question de pasteur. Il s'agit de toi. Lève-toi et brille. Parce que Jésus vient. Qu'il vienne te trouver sur le jardin. Qu'il vienne te trouver en train de courir pour lui. Qu'il ne vienne pas te trouver arrêté sur place. Ou bien tu es en train de discuter. Ou bien tu fais autre chose. Mais maintenant c'est le temps d'être zélé. Être zélé. Kakalaya. Être zélé. Peu importe quel niveau dans la Yoromi. Quel soit ton niveau. Peu importe quel dans la Yoromi. Quel que soit ton niveau d'éducation, de formation. Je n'ai jamais été docteur. Je ne veux même pas aller faire ça. Mon temps ne me permet plus d'aller faire le doctorat. J'ai dit, moi, mon temps ne me permet plus d'aller faire le doctorat. Mais je sais une chose. Le temps qui me reste, je la consacre à Jésus. Et je ne vais pas empêcher aucun docteur je ne vais pas permettre à aucun docteur de m'empêcher mon ministère. Au lieu de tourner les regards sur les hommes, tourne le regard vers Jésus et faire ce qu'il a dit de faire. Jésus n'a pas besoin de diplôme, il a besoin de preuves. Jésus a besoin de la transformation de son peuple. Il a besoin de l'avancement de son peuple. Tu peux prier. Tu peux faire quelque chose.
Tu peux prier. Tu peux conseiller, consoler. Tu peux être libéral, donner. Tu vas rencontrer quelqu'un dans la rue, tu peux entendre que demain il n'est plus, il est mort. Tu as quelque chose en toi. Tu peux louer le Seigneur. Tu peux prêcher à son peuple, tu peux les consoler. Et ta famille. Fais ton possible. Moi, je ne t'ai pas dit de changer ta famille. Je t'ai demandé tout simplement de briller dans ta famille. Personne ne peut changer sa famille. Mais tu peux briller dans cette famille. Et le reste est dans les mains de Jésus. Personne ne peut changer son lieu de travail. Mais quelqu'un peut briller, luire dans son lieu de travail. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui veulent t-shirt briller pour Satan. Il y a des t-shirts. Quelle sorte de marque? Polo. Marque Polo. So, ça y a Meleke Jolemba avec Soka. C'est des gens qui veulent œuvrer pour Satan. Ils veulent prier pour Satan et ils ont réussi. Il y a des polos que les gens portent avec des signes de la mort et ils sont en train de briller pour Satan. Qu'est-ce que vous portez, vous écrivez sur vos vêtements quand vous tournez le dos que les gens voient, lisent sur votre dos que Jésus est Seigneur? Au contraire, Maloya, la confusion. Parce que j'aime ma vie plus que Jésus. Et parce que vous êtes chrétien, tu manges du porc. Que tout le monde t'accueille, t'agrée, mais si Jésus te réunit, c'est mieux pour toi de ne pas exister. Il y a une femme qui est venue ici l'autre jour. Je vais l'imiter, maintenant. Sa voiture m'a vraiment réjoui. Devant sa voiture, c'est écrit Jésus t'aime. Yesubi kanou. Donc ni bara mobile ni fait. Si tu es devant sa voiture, tu verras le nom de Jésus. Derrière sa voiture. Jésus t'aime. Yesubi kanou. Moko circulation na koni bara mobile ko fait koni na chadobe atoro Jésus a bi fait. Va lire, va être avec elle dans la circulation, va lire Jésus t'aime. Aga mobile compteur sans faire. Et sur le côté. C'est compteur là. Sur le moteur, sous le capot. Sous le capot. Ah oh, non non non. Voilà mes ironies maintenant. Et non, le tableau de bord. Hein? Tableau héros. Voilà, c'est le mot là. Tableau héros là. Sur le Jésus t'aime. Et il écrit là-bas que Yesubi kanou. Anya na yema kaita ikada kamobli kono tivira écrire Jésus t'aime. Même si elle va te transporter dans sa voiture pour t'aider et tu vas lire que Yesubi kanou. Est-ce que une bonne nouvelle peut dépasser cela? Musoi. Cette femme, elle est en train de préparer du terrain pour Jésus comme ça. Et pourtant, c'est un militaire. Elle a des galons. Elle peut dire tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je suis gradé. Mais elle a résolu de témoigner de Jésus. Combien de personnes sont prêtes à dépenser 5000 francs CFA dans des tapettes, écrire sur les tapettes Jésus t'aime, tout simplement pour annoncer, parler de Jésus et donner aux gens? Mais regarde les t-shirts des jeunes. Tu vas écrire là-dessus. Nyamaku. Dableni, Nyamaku. Oui, artiste do rappeur do beno obé Dableni ne voit Dableni. Je suis Nyamaku, je suis Dableni. Il y a un rappeur qui chante Dableni Nyamaku. Ils vont imiter les coiffures et viennent comme ça à l'église. Si tu deviens
Du Dablénie, nous, on va bientôt boire. Et Nyamakuya. Toi, tu es le jus de gingembre. On va se trouver dans les baradas là-bas. Matthieu 24, 46-49. Matthieu, verset 49. Quand tu lis le verset 45, tu vas bien comprendre. Heureux ce serviteur que le maître à son retour trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé. C'est le but même. Écoute attentivement. Quand Jésus à son retour trouvera quelqu'un en train d'agir exactement comme il lui a demandé. Cela veut dire que Jésus doit revenir nous trouver en train de nous servir comme il nous a demandé de le faire. Qui est cette personne? Vous des croyants, voici comment tu as les bénédictions au retour du Seigneur. Est-ce que nous sommes maudits? Il ne faut pas te presser. On va connaître, découvrir cette malédiction. Le pasteur pense que nous sommes maudits. On ne va pas faire comme ça. Personne n'a pas de malédiction. Ce jour-là, on le saura. Je ne veux pas que je ne veux pas que cela arrive à personne dans cette église. Et pas seulement dans cette église, mais tous les croyants. Quand Jésus viendra trouver que tu es en train d'agir comme il t'a demandé que tu es heureux. Le verset 47. Verset Binanouangla. Vraiment. Je vous l'assure. Son maître lui confiera l'administration de tous ses biens. La meilleure manière là, c'est de vrai. Et servir comme il faut. Et qu'il vient te trouver en train de faire comme il a demandé. Il va te placer et te confiera toute la dimension de ses biens. Le temps presque. Le temps est arrivé. Satan a bien compris le temps presque plus que le plus grand oin du monde. Le plus grand sage parmi les chrétiens. Ou bien Satan a compris ça. Chrétien, Satan a plus compris. Satan n'est plus là. Satan est femme. Satan a bien compris ça. Pourquoi t'as fait que j'ai encore demain je peux faire ça. J'ai après demain j'ai un mois je peux faire ça. Pourquoi pas béke bi. China be chama wareke. Parce qu'aller à la cour bébé c'est qu'à bambi. Donc n'a pas bambi. Il faut qu'il y ait un maximum sur bi. Ni bim temena. Chini tukuni. A pas fait me chama que chini parce qu'on ne sait pas si c'est la fin. Satan a tes fins donc a tes l'abandon donc a connu pas donc quoi sera. C'est pourquoi. Hey. Ne connaît pas le jour, le jour de la fin, le dernier jour, mais il sait que c'est très proche. C'est pourquoi chaque jour, il agit de plus en plus mal, de pire en pire, de plus grand mal. Écoute les nouvelles. Tu vas voir toutes les destructions, les mauvaises choses qu'il est en train de faire. Dans nos statuts, qu'est-ce qu'on fait? Dans nos statuts, qu'est-ce que nous faisons sur nos statuts de WhatsApp? Il faut dire les choses. Et que tu dois faire tout ton possible témoigner pour prouver à quelqu'un que Jésus est le Sauveur et le Seigneur. Et si Paul était vivant aujourd'hui, il allait avoir un compte YouTube et il allait surtout prêcher sur technologie. Il y a des technologies très avancées pour faciliter l'œuvre de Dieu. Va commencer à dire que toutes ces technologies là c'est satanique. Prêcher et de toutes les formes, quel que soit le moyen que Dieu a mis à ta disposition, prêche. Verset 48. Verset
C'est ce qui arrive aujourd'hui. Mais si le serviteur est méchant, il va penser que son maître n'est pas prêt de rentrer. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Bro, il va commencer à frapper ses autres serviteurs. Dénomination, qu'est-ce que les dénominations sont en train de faire? Hein? Ils sont en train de se frapper. Qu'est-ce que les chrétiens sont en train de faire? Ils sont en train de se frapper. Qu'est-ce que les protestants et les catholiques sont en train de faire? Ils sont en train de s'embrasser. Non, ils sont en train de se frapper. Qu'est-ce que les pasteurs sont en train de faire? Ils sont en train de se frapper. Au lieu de se frapper les uns les autres, ce qui nous a été confié de l'accomplir tel qu'il nous est demandé, et nous serons heureux. Ne frappe personne sur WhatsApp. Ne frappe personne avec les paroles de ta bouche. Ne frappe aucun chrétien. Mais œuvre seule comme il t'est demandé. Parce que Jésus a les bénédictions pour te donner. Si tu es en train de frapper, ça veut dire que tu deviens le mauvais serviteur. Que Dieu nous aide et nous préserve d'être des mauvais serviteurs. C'est le verset 49, non? Non. Anadamineka Jonjuku Ngoshika. Et il maltraite ses compagnons de service et il mange et boit avec des ivrognes. Verset là-bas. Le dernier verset. Ecclésiaste 7, le verset 8. Et Wadjulu Kelaou sera où l'on veut le verset chéri. Mombe. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Fin là-bas, Kausana Damenei. Mieux vaut l'aboutissement d'une entreprise que son début. Afle. Voici. Ne pas Bamananga version faire quoi ça va. Et j'aime beaucoup la version en bambara. Afle. On voit ça. Nous sommes à l'aboutissement de l'entreprise maintenant. Qui aboutira? Nous sommes à la fin. Je ne sais pas. Amé, fais la bande de la 600. Afle. Voici. Afle, la bande est là. Nous sommes à la fin. La bande où ça nous amène. L'aboutissement de l'entreprise vaut mieux que le début. Joyeux d'amener. Si certains ont commencé, Adam et Nana Kalandé ont fait Jérusalem. Ça a commencé par les disciples à Jérusalem. Judée. En Judée. Samarie. Jusqu'en Samarie. Bela. Jusqu'à l'extrémité du monde. Enfla là-bas et là. Nous sommes à la fin. Là-bas, Kabouni, Damina, Yafi, Kerefem. La fin est plus grande que le début. Amen. Hey, là-bas, Kabouni, Damina. Donc, qu'est-ce qu'il nous retrouve? Soit quelqu'un qui est assoiffé de Dieu. La banque bon ni terminé. L'aboutissement est plus grand que le début, le commencement. La banque seria kanka bonya ni terminé. Et les témoignages de la fin doivent être plus grands que le commencement. Afle. Voici. Pierre et Wajuluke. Pierre a prêché. Moroba sabatubira. Il y a 3000 personnes qui se sont converties en un seul jour. Très bien. Aucun inconcevable. Soigar. Allez prêcher. Il est sauvé, il a prêché. Il y a 28 000 personnes qui se sont converties. Ça, c'est dans les 1900. Oui, et Sam Bakelini, que mes commentaires. Billy Graham. A quand s'engueule un tournoi là? Un seul tournoi d'une année. 78 000 personnes Tubira. Et Mouro Babilon Vlanichegui ont été convertis. Très bien. Aucun concept. Mais, en bas là-bas, tournoi là. Notre dernier. On veut des millions. Quand un million de Tubi. Amen. Renard Bonke. Renard Bonke. Attaque qui borde mon fort. Quel est ce fait? Et lors d'une de ces campagnes, 1 million de personnes ont donné leur vie à Jésus. Mon million, quel est le lieu qu'on y a mis à dire ce mot? Chou, quel est? En une seule nuit. 1 million de personnes. Mon million, quel est? Renard Bonke Tara. Renard Bonke est parti. Il y en a qui l'ont aimé là. Toi, nous sommes en train de respirer encore. Allah va faire un atemaka.
C'est que Dieu veut que nous le dépassions. Si l'aboutissement des choses vraiment le commencement, toi et moi nous sommes l'aboutissement. Prépare-toi. Il est bien. Lève-toi. Commence à prier. Adam, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur va glorifier son nom avec toi. Le Seigneur va prospérer son œuvre entre tes mains. Car il a dit, mieux vaut l'aboutissement d'une entreprise que son début. Mais la banque vous en a d'amener. L'aboutissement d'une entreprise vaut mieux que le début. Et c'est ce que Jésus a mis sur des fonds, même dans les révélations. Il a dit, nous voilà-t-il là-bas, nous nous sommes pour y aller follow. Et c'est ce que Jésus a toujours dit, que les choses de ce dernier temps vont être plus grandes que ce qui a été fait au commencement, au début. Mais qui est John Lassomenendo? Mais qui est averti? John Lassomenendo. Qui est averti? Non, mais fait que Willy Kamana Mana. Qui veut se lever et amener la lumière? Parce que Willy Kamana Mana Kasori Lassomenendo Koi. Et que tu te lèves et que tu brilles avant d'être averti. Chamama Lassomenendo Kame Al Saudi a tout nié tout nous fait chamana. Il y a beaucoup qui n'ont pas entendu les voix d'avertissement, c'est pourquoi les yeux sont fermés sur beaucoup de choses. Afle. Voici. J'ai vu une image, une vision. Ça m'a aidé à comprendre beaucoup de choses. Une vision spirituelle de Nya et Telela. Et c'est des images que j'ai vues à la télé. Deux gazelles. Et ils ont mélangé leurs cornes. Et ils sont en train de tourner. Et entremêler. Il y avait le lion juste là. Il les a vus. Et il est en train de courir et de venir là. Et il ne voit pas le lion. Ils sont en train d'essayer de se battre le lion avant sa partie. Et ils sont en train de se battre. Et quand le lion est arrivé juste à leur niveau, et que l'autre a brusquement vu le lion à côté, il a retiré ses cornes, il a commencé à fuir. Celui qui n'a pas pu fuir, il l'a dévoré. C'est là on imagine que les deux. C'est ce qui va arriver. Image, si nous nous frappons et les uns et les autres avec nos cornes. Si vous avez entendu les paroles d'avertissement, ôtez-vous les cornes, levez-vous et brillons. Tu sais prier, prie. Il n'y a pas de la délicat. La délicat. Si tu veux conseiller, conseille. Si tu es un Dieu t'a donné le don d'enseignement, lève-toi et enseigne. Tous les enseignements, ce n'est pas dans l'église. Mon ami, il y a beaucoup de personnes qui ont gagné des âmes et des milliers d'âmes, pas seulement pas dans l'église, mais d'ailleurs, ils ne sont pas pourtant des pasteurs. Ils ne prennent pas de microphone. Mais les âmes qu'ils ont gagnées pour le Seigneur sont plus nombreux que toute l'assemblée d'une église et d'un pasteur. Mais je répète. Willy, lève-toi et, mana mana. Et brille. Dieu t'a placé une semence. Allah talent do dima. Dieu t'a donné un talent. Dieu t'a donné un talent, quelque chose que tu sais faire. Même si ce sont tes muscles, il faut consacrer ces muscles là à Dieu. Vas-y. Et ces muscles sont en train de porter les briques de construction de son église. Fais quelque chose. Fais donc. Fais quelque chose parce que Dieu a mis quelque chose en toi. C'est une des grandes choses que tu vas faire pour rencontrer, accueillir Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu peux te lever à présent. Nous allons prier. Tu vas prier ce matin.
Seigneur, la semence que tu as placée en moi, il faut allumer le feu à moi. Que ce feu s'allume à moi. La semence que tu as placée en moi, que ce feu la s'allume. Alléluia. Alléluia. Que ce feu la s'allume. Et le Seigneur t'a donné la sagesse de produire des livres, produit des livres. Combien de personnes ont été bénies, ont été heureux en lisant des livres? Combien de personnes? Si tu dis que tu ne portes pas de semence, de quelques graines en toi, ça veut dire que tu n'es pas un homme ou tu n'es pas encore converti. Tu n'es pas converti et l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Cette semence. Et ce n'est pas obligatoire que les gens y croient. Ou bien que les gens comprennent. Vous n'avez jamais vu un arbre ou une plante qui a poussé dans un certain lieu et qui vous a étonné? Où est-ce que vous l'avez vu? Hein? Que et des plantes poussent au milieu des rochers, des cailloux. Est-ce que cela arrive? Moi, je ne l'ai jamais vu. Que un arbre pousse là où il y a des rochers, des cailloux, des pierres. Si vous m'aviez donné cet exemple, le message serait fini. Mais qu'est-ce qui est difficile? Tout le monde sait que les rochers, les pierres sont très durs. Si une plante peut pousser au milieu des pierres, des rochers, pourquoi toi tu ne peux pas pousser au milieu dans ta famille? Prie. La semence que tu as mis en moi, il faut que le feu allume. Prions. Prie pour toi. Délique iré. Prie pour toi. Délique iré. Ni et tatasma dona di. Akatoka briller Alissa, je veux plus encore, plus de portions. Karankrani ala neta fanfe, moi je veux plus de portions que tout ça. Ça ce n'est pas assez pour moi. Non. Nebe ni rafe, minka boni ni be ni tene bon Alissa. Ni bara intene was, dara tene was. Cette œuvre, ce ministère, il ne me suffit pas, ne me satisfait pas. Il ne faut pas penser que tu accomplis déjà un ministère. Que tu ne sois pas satisfait avec ce travail. Non, c'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Au tableau.
Tu vas prier. Seigneur, remplis mon cœur d'amour pour toi. L'amour de ton œuvre. Si l'amour, ton amour pour le Seigneur n'atteint pas un certain niveau, tu ne peux pas faire ces choses-là. C'est l'amour pour le Seigneur qui va mettre l'amour pour les autres dans ton cœur. La personne qui aime, qui a de l'amour pour le Seigneur, aime tout ce qui appartient au Seigneur. Écoute ici. Et laisser ceux qui transportent les gens là-bas. C'est une chose très simple qui peut t'apporter une immense bénédiction au ciel. Voici. Yongisho. Yongisho. Non, c'est pas Yongisho, les Coréens. Qui est. Hein? Non. Coréen Park. Park. C'est lui qui est allé au ciel plusieurs fois. Passer parc. Simplement. Quand il passait, il a vu quelqu'un assis. À froid. Il a enlevé son vêtement chaud et il lui a porté ce pullover-là. Le morceau de pain qu'il avait, il lui a donné. Simple. Au don. Par amour. Kanuya fait. Au gara tableau d'honneur ya esangolola. Et cela lui a accordé un tableau d'honneur au ciel. Nina mwoye ka fuko barati neta donganga baraminga ne ben yere ngo mlete tukukolo de kan wa uvie be yoro ibe kokoji jikoro. Et maintenant quand j'entends les gens, les croyants dire que lui n'a pas de ministère, il sait pas quoi faire, mais tu es un homme et une personne existante sur la terre. Mais iyala ika yoro laika iglesia era doronte iyala ika kene mana la ibe baraketa do soro matiki ka ke. C'est bella. C'est pas seulement ton ministère. Même si tu es dans la rue dehors, tu trouveras toujours quelque chose pour faire pour le Seigneur. Il a nourri un vieux. Il lui a allégé son froid et lui a donné à manger. Combien ces genres de situations sont sur la terre? Combien de fois ces choses nous arrivent quand nous on a froid, nos prochains ne savent pas. Tu ne sais pas que le froid c'est difficile à supporter, sauf quand ça va t'arriver en ce moment, tu vas parler beaucoup. Soyons un. Matiki. Seigneur, remplis nos cœurs d'amour pour toi et d'amour pour tes œuvres. Jésus d'abord et son œuvre d'abord, les affaires de mon Père céleste d'abord. Et ton slogan serait Yesu folo ani akachi folo un folo. Prie. Délique. Prie. Délique. Prie. Délique.
Amen. Ne te promets si ta mort chie, qu'on y peut y peine barrer qu'elle a voulu qu'elle vienne à quel tout de une vie de bonheur, de joie. Je ne promettrai jamais à personne que si tu veux te lever pour accomplir cette œuvre, ces affaires de Dieu, que ta vie serait. Oui, il y a un prix à payer. Si tu veux te lever, souffrir. Mais pour donner ta vie à Jésus, il y a son lot de descendre. Tu seras haï. Tu peux être haï. Oui, il peux être haï. Tu peux même être frappé. Mais que ces coups soient une raison de joie pour toi. Parce que c'est ça qui serait des couronnes sur toi. Et toute souffrance qui atteint l'homme à cause de Christ, ce sont des couronnes sur ta tête. Ce sont des couronnes sur ta tête. Peut-être tu as versé des larmes. Il y a certains qui se sont moqués de toi. Mais demain, et tu vas regarder ta couronne, tu vas rire comme beaucoup de personnes ne sont pas en train de rire. Bonheur promesse. Il n'y a pas de. Mais qu'on y a fait comme. Si Jésus, lui-même devient une raison de joie et d'allégresse d'une personne, tu vas passer toute ta vie dans la joie parce que Jésus ne meurt jamais. Nous allons prier. Matigi, Seigneur, donne-moi l'assurance pour œuvrer pour toi. Que la honte disparaisse de mon cœur. Que la peur disparaisse de mon cœur. Mais donne-moi l'assurance. Que je me lève ce dernier temps pour briller avant ton retour. L'assurance. Comme les disciples ont prié. Demiké. L'assurance. Jagleya. L'assurance. Jagleya. Pour son œuvre. Et Bara Jagleya. Pour lutter. Pour la cause de Jésus-Christ. Jésus-Christ a pas venu au poisson. L'assurance. Nous allons prier pour la malade et étendez-vous. Amen à spécifiquement. Nous allons prier pour une seule personne spécifiquement. Amen à ta tomaka délica. Nous allons le prendre par son nom et prier pour lui. Ani ametanye chufara kleka ka délica yefana. Et nous allons continuer nuit et jour pour prier pour lui. Walsa matika akanya.
pour que le Seigneur le guérisse. Oui. Anga chokoroba dobe, il s'appelle David Koulibaly. Nous avons un ancien, un vieux qui s'appelle David Koulibaly. Il perd à AVC à Sorokounou. Hier, il a été frappé par l'AVC. Car je suis à Franklin, à côté gauche. Et son côté gauche a été paralysé. Mais Allah, à part qu'à Allah, mais nous rendons grâce à Dieu. Prise en charge au Siraka Kechona. On a pu intervenir, faire des prises en charge rapidement. À Mamrou Beka Aïsé Kasegi. Et ses membres commencent à recouvrir le mouvement, la vie. Amaseka Asena a Kinembolo a Numambolo Sena Kinembolo Senko Nupesro Kosabe. Et ça n'a pas atteint ses jambes gauche et bras droit. Kosabe a tissé que la bouche est mouvementée. Il n'a pas eu de Beka Kachogomina. Il n'a pas pu les récupérer, il n'a pas pu être rétabli comme toi et moi, on peut bouger les membres. Ani a membre voilà, kongolo, voilà, muscle et quelques muscles de son cerveau, de sa tête. Mais le Seigneur est en train de faire son œuvre. Nous allons l'appeler par son nom. David Koulibaly. Il s'appelle David Koulibaly. Ambe ala de lai. Nous allons prier pour lui. Matri kamara afarokolo yoropela. Que le Seigneur touche tous les membres de son corps. Ka kanaya. Pour le guérir. Bitronte. Pas seulement aujourd'hui. Tanyeki hakli twala. Continue et souviens-toi de lui. Nangera kele ndanabo andeseko bena doya. Quand nous sommes unis, les croyants, nous serons capables de toutes choses. Prions pour lui d'abord avant de prier pour voilà. Yana ngase. Pourquoi on va l'écouter à Togoma? Parce que à te batoliker là, Anchala yanta. Et pourquoi nous l'appelons par son nom? Il n'est pas présentement avec nous dans ce lieu de culte. Ya, niela ya. Ici, on ne le voit non, pas. Non, église là yangua. Présentement là, ici dans l'église. Voilà. C'est pourquoi Ameka taka nali kelayara. Aka niko aka na ça peut être un peu difficile, mais je sais que ni na frontière ti. Et son déplacement a été très difficile pour venir à l'église, mais dans l'esprit, il n'y a pas de distance. Prions maintenant. Que le Seigneur le touche pour le guérir. Thank you.
Est-ce que tu es fatigué et en débat? Quand nous étions en train de parler, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit. La tante qui s'asseyait ici, Maman Fanta, j'ai appris qu'elle a fait un accident. Je pense que a chuna yoro mega okera a ka accident koro fana parti. Et là où elle a été touchée, c'était les blessures de son ancien accident. Est-ce qu'elle a pu venir? Est-ce qu'elle est là? Elle n'est pas venue. Nous allons prier pour elle. Que le Seigneur la rétablisse. Au nom de Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas de la tricherie. Même si toi tu avais eu la même situation, sauf si nous ignorons, nous allions te prendre par les mains et prier pour toi. Même si tu n'informes personne, tu le caches et qu'on se rend compte, on va prier pour toi. Maman Fanta Kamara. Prions pour elle. Au nom de Jésus. Jésus-Christ à toi. Jésus-Christ le Fils de Dieu. Tu peux aller lui rendre visite. Si tu sais où elle habite. Et n'arrêtons pas de prier pour ces personnes. Si tu connais quelqu'un d'autre. Et que nous n'arrêtons pas de prier pour eux. Et n'arrêtons pas de prier pour nous-mêmes. C'est comme ça que nous avons la victoire et nous allons avancer. Ceux qui sont malades dans leur corps, qui sont debout, restent debout. S'ils sont qui sont malades, qu'ils restent debout. Tu as des douleurs dans ton corps, reste debout. Que tu restes debout. Tu as des douleurs. Tu as des douleurs dans ton corps. Que tu restes debout. Nous allons prier pour vous. Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as des douleurs. Et mes siglendo. Toi qui es assis. Tu peux prier aussi pour ceci. Que le Seigneur les accorde. Pose la main là où tu as mal maintenant. Pose la main là où tu as mal dans ton corps. Et prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Vous qui êtes assis, continuez à prier pour ceux qui sont malades. Nous allons céder la place à Pasteur Moussa. Il va élever la voix pour prier pour ceux qui sont malades. Prions. Norokada itokokan.
sankolo ani dugukolo matigi e mi ye ala ye mi ye an kanu ka denkɛ ci o kanuya kosɔn walisa ka na ka an kumabɔ ka an kisi ka an ni ala cɛla bɛ gengejiri fɛ kɛwalew fɛ gengejiri sanfɛ an ko i ma a barika nɔrɔ ka da i tɔgɔ kan matigi yesu an bɛ foli ni bonyamasegin kɛ i ye kamasɔrɔ i sɔnna ka i farikolo di ni farikolow nɔ na walisa u ka birinti walisa o farikolo birintili da fɛ matigi ni farikolow ka kɛnɛyali sɔrɔ n bɛ barika da i ye ani ka i fo i ye kuntigiya di an ma fana walisa sebayaw bɛɛ tigɛ a la sitanɛ ka kɛwalew ka olu tiɲɛ matigi walisa an ka se ka masaya kɛ an sigiyɔrɔw la matigi o de kosɔn i ye an kɛ masaw ye saraka laseba masamaw ye nin diɲɛ la bi ka kɛɲɛ ni ka kuntigiya dilen ye ne bɛ ci di yesu kirisa ka kuntigiya barika la banaw ma bana minnu tun bɛ farikolo la minnu tun bɛ joli la minnu bɛ kolo la minnu bɛ pasa la farikolola banaw ɲɛdimi banaw kɔdimi banaw bana dogolen ni a kɛnɛkan ta ne bɛ ci di yesu kirisa tɔgɔ la nin wagati la ko banaw ka taa ka bɔ yen kirisa ka masaya barika la kirisa yesu tɔgɔ barika la n bɛ ci di banaw ma i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ nin wagati la ala ka sebaya ka maga i la ka i gbɛn ka bɔ nin farikolo kɔnɔ yesu kirisa nazareti ka tɔgɔ la kirisa joli sanuma o kana nin wagati la ka ni cɛw ni musow bɛɛ kelen kelen sanuya walisa sitanɛ tun bɛ ka yɔrɔ min ye o la ka tɛmɛ o fɛ ka bana bila farikolo la o yɔrɔ bɛɛ ka sanuya ka bila ka kɛ kirisa ta ye nin wagati la walisa bana dalen kɔ a kana se ka segin tuguni ka don o farikolo la n bɛ kuntigiya ta suya banaw kan jinɛ banaw kan dabali banaw kan yesu kirisa tɔgɔ la ko banaw ka wuli ka taa ka bɔ yen banaw ka wuli suya banaw ka wuli dabali banaw ka wuli jinɛ banaw ka wuli yesu kirisa ala denkɛ tɔgɔ la kɛnɛyali ka na matigi i ye i ni senu ci ka na nin dugukolo kɔ kan walisa ka to an fɛ walisa ka an ɲɛ minɛ ani ka kokɛtaw dafa ka an kuraya ni farikolow kuraya bi matigi yesu kirisa tɔgɔ la walisa u kana kɛ bana sigiyɔrɔ ye tuguni u kana kɛ sitanɛ ka kɔmɛrisi kɛyɔrɔ ye tuguni yesu kirisa nazareti ka tɔgɔ la ne bɛ ala fo ka barikada rɛstɔrasiyɔn kosɔn olu minnu kɛra nin wagati la yesu kirisa ala denkɛ tɔgɔ la amina bɛɛ ka i sigi sa k'a kunbiri i sigi ka i kunbiri tu peux rester assis et baisser la tête i sigi ka i kunbiri assieds-toi et baisse la tête bɛɛ tout le monde on va prier pour clôturer an bena deli kɛ walisa k'a kuncɛ sebayaw bɛɛ tigi a la dieu tout puissant Bateli il fait. Je te prie et te demande. Ce matin. Quiconque est présent ici. Cheula. Au milieu des hommes. Voilà Moussoula. Ou bien parmi les femmes. Matini dibi mou kanyena mayakuna. Seigneur, si les ténèbres couvrent sa vie. L'esprit des ténèbres couvrait leur vie. Partout où ils se trouvent. C'est ça, Matigi. Maintenant, Seigneur. Délivre-les de l'esprit des ténèbres. C'est ça, Yare. Maintenant même, ma Seigneur. Tout cœur qui avait été possédé par des ténèbres à leur insu. Que ces ténèbres les empêchaient, Seigneur Jésus, de t'appartenir. Et que ces ténèbres les empêchaient d'accomplir ta volonté. Partout où ils sont maintenant, quel que soit le lieu où ils sont, que les ténèbres sortent de lui tout de suite même.
Tout de suite, même. Que le cœur soit libéré de ténèbres. Que le cœur soit libéré de ténèbres. Que la vie soit libérée de ténèbres. Maintenant même. Maintenant. Toute vie qui était couverte par des ténèbres. C'est cette obscurité qui les empêchait de pardonner. Ces ténèbres ont amené de l'orgueil et de mauvaise volonté dans leur vie. Ne te laisse pas dans les mains de l'obscurité. Laisse ton cœur dans les mains du Seigneur, il veut te délivrer aujourd'hui. Cette ténèbre avait amené de la haine dans ton cœur. Et cette ténèbre au même est liée, empêcher tes gains, ta chance. C'est ça. Maintenant, que la lumière luise dans ses cœurs. Tout esprit qui œuvrait dans la vie de ces personnes-là qui est l'esprit de ténèbres, que cet esprit de ténèbres leur a mis l'amour du monde dans leur cœur plus que toi, Seigneur, que toutes les œuvres de ténèbres partent de là. Esprit de ténèbres, esprit des ténèbres, c'est à toi que je parle. Va de là tout de suite. Va-t'en de là tout de suite. Ténèbres. Les ténèbres sont venues s'immiscer dans la vie et a transformé tes œuvres en ténèbres. Et les ténèbres sont venues s'immiscer dans ta famille, a transformé ta famille en ténèbres. Et il est venu s'immiscer dans ta famille. Ton commerce est devenu ténèbres. Va-t'en. Les ténèbres sont venues s'immiscer dans ton enfantement. Ténèbres, toi qui couvrais la vie de cette femme. Je te souffle avec le souffle de ma bouche. Et que tu pars avec le vent. Et que tu ne reviennes plus jamais. Au nom de Jésus. Va avec le vent. Ne viens pas se macataner. Et que ce vent-là se pose sur toi et t'emporte. Thank you.
Au nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant. Oui. Partout où tu te caches dans le corps, le Seigneur te voit. C'est maintenant l'aboutissement de Que tu ne reviennes plus jamais. Christ, alanyana matenga tola. Au nom de Christ. Christ, alanyana matenga tola. Au nom de Christ, le Fils de Dieu. Christ, alanyana matenga tola. Au nom de Christ, le Fils de Dieu. Christ, alanyana matenga tola. Au nom de Christ, le Fils de Dieu. Christ, alanyana matenga tola. Au nom de Christ, le Fils de Dieu. Christ, alanyana matenga tola. Au nom de Christ, le Fils de Dieu vivant. C'est fini. C'est fini. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi, ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous sommes réunis là. Ce matin. Qui veut venir et donner sa vie à Christ Jésus? Et faire de Christ son sauveur et son Seigneur. Et donnez-lui toute ta vie. Si il y a une telle personne dans l'assemblée qui le vienne. Voilà, les chérubins matika duba oyi demeure béni. Si quelqu'un veut se convertir et devenir chrétien, que cette personne vienne devant le temps, ne nous attend pas. Si quelqu'un veut se convertir et appartenir à Jésus, que cette personne lève la main et vienne devant. Et on va faire ta confession de foi, ta prière pour le pécheur. Et tu vas prendre part au royaume des cieux. Le temps ne nous attend pas. Hein? Nous sommes en train de vous attendre. Si quelqu'un veut se convertir, que cette personne ait l'assurance, prend courage et vient devant. Que tu rentres dans la famille de Christ et appartenir à Christ. Ce qui est difficile, c'est que tu dois arriver au ciel. Et tu n'atteindras jamais le ciel tant que tu ne viennes à Jésus. C'est pourquoi si tu veux être sauvé, viens devant. À cause du temps, nous allons céder la place au pasteur. Jusqu'à présent, la porte n'est pas fermée, c'est ouvert. Hein. Que le Seigneur vous bénisse. Aywa ni tubira kaka Yesu taye okanyi ani obe sangolola nyakali sacré de la joie dans les cieux obe nyakali la besangolola voilà
Nikera Yesu taye itija fana ikatoma afe tungudu fokata ibone tiela foikana ibalikata nyefe Yesu kola nga ibeje tien bolu ko a ala ko oye bolu fem patota wara mino be tien kono obe sitanep se katme fon fon feka ilafli ibe je olu peko timashi o timashi ibi jilaja kana eglise la eni tanaba ka patolike nyokon fe yala et dara la ko Yesu Krista saraka kunu walsaka ika kisiliko nyanabo wa ao ibe son ka Yesu Krista ke ikisibani matiki ni tukukoloko ka foka iboya wa ao yala idalem bala ko ika jurumu be Yesu jolibe saka ube ya fak imawa ao kake nika awo fole nebe mi fosisa ibe sikoka afo fa ala mbe barkada iye Yesu Krista kuson onana tiela kane nyine kasane kuson bisoko madaina nebe nga nyena maya beti Yesu ma ka delife fa ala Yesu joli barkala ikane ka jurumu be ya fanema neka jurumu be ya fanema neka jurumu be ya fanema. Aha, très bien. Voilà, ambese kakatuku neka jurumu be ya fanema. Nebenga nyana maya beto ibulobi. Kene kisiba anema tigiye. Foka ne boni tiela. Yesu Krista tola. Nebe parkada iye. Tamasro nekera arjene kono denye bi. Yesu dana ya fe. Amina. Angambulo nyeshama ka ala delai matige ala ambe parika da iye ni muso koson ede awele kana iyerema noroni bonya ka da ikelempe tokoka ni wakati la amba teli ifefa Yesu Krista tola ika foni ka saya tamasien tia tamasien sitane ka tamasien ka olu foni ka bo ala ika ika tamasien krenkrenen da aka fo iyere nato Yesu Krista ala denke tola ni muso mako fon benya inya jwala ika to afe walsa anikana perdu nga matige anika kisika noroda fa ala toka Yesu Krista ala denga tola anyene delike amina ne ikale kretien ta matige ka Dubai.